Bonjour, donc moi je m'appelle Raphaël Guillou, je travaille pour Choose Paris Région ou Choose Paris Region, voilà, pour la faire à l'anglaise. Et je tiens une formidable transition, c'était pas du tout prévu, mais il était question il y a à peine 2 minutes de dire, je crois que 75% des visiteurs qui viennent à Paris, c'est parce qu'un film leur a donné envie de venir, donc une œuvre leur a donné envie de venir. Et ben voilà la transition. Il n'y a pas que les films qui donnent envie de venir. Ça peut être aussi des tableaux, même s'ils ont été peints il y a 150 ans. Et du coup, je vais vous présenter ce beau projet impressionniste dont j'ai le bonheur de m'occuper au quotidien. Voilà. Donc l'impressionnisme sur notre territoire, un trésor touristique et économique. Vous allez vite comprendre pourquoi. Donc je vous rassure tout de suite, quand je vous montre ces tableaux, il n'est pas question de vous faire un cours d'histoire de l'art à 18h. Tout le monde a envie d'aller boire un verre et l'après-midi a été bien riche et bien dense. Mais d'abord, c'est pour le plaisir de regarder des beaux tableaux. Et puis, je les ai choisis volontairement parce que je voulais qu'on prenne conscience collectivement, tous, que même si on n'est pas des pros de l'histoire de l'art, a priori, il y a au moins un de ces tableaux qui nous évoque quelque chose et qu'on connaît. Donc vous avez des tableaux de Monet, de Renoir, de Caillebotte. Et j'ai choisi ces quatre-là en particulier parce qu'ils ont un point commun. Je ne vais pas vous faire le quiz, mais ils ont été peints à Paris et en Île-de-France. Voilà le point commun de ces tableaux. Et donc, je vais vous expliquer en quoi l'impressionnisme est un atout exclusif et non délocalisable. En fait, on a énormément de chance, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que l'impressionnisme est né à Paris, en Île-de-France et en Normandie. Ce qui fait que vous avez des milliers de tableaux, de Renoir, de Monet, etc., qui ont été peints sur notre territoire et qui ont voyagé dans le monde entier et qui sont aujourd'hui dans les collections des plus grands musées du monde entier. La deuxième chance qu'on a, c'est que l'impressionnisme, c'est le mouvement artistique le plus connu au monde. Je ne le dis pas pour me faire plaisir, on a pu le vérifier, on a fait une étude online notamment, auprès de clientèles américaines, anglaises, françaises, japonaises, chinoises et coréennes du Sud. Et en spontané, sans aucune assistance, quand on demande à ces clientèles « Pouvez-vous nous citer un mouvement artistique ?», le mouvement qui sort en première position, largement devant, c'est l'impressionnisme. Et du coup, grâce à cette cote de popularité dans le monde entier, qui est due au fait que c'est des tableaux qui ne demandent pas vraiment de médiation scientifique, c'est des tableaux qu'on peut très facilement s'approprier, et qui en plus, c'est là aussi une de nos chances, véhiculent des moments plutôt joyeux, des moments doux. Et ben, du coup, les impressionnistes, bien longtemps après leur mort, sont de très bons ambassadeurs de nos territoires. J'aime bien citer cet exemple, mais notamment, vous pouvez tomber sur un Américain au fin fond du Texas qui aura déjà entendu parler de la ville d'Argenteuil, à 10 minutes de Paris, parce qu'il aura vu dans un musée un tableau peint par Monet. Et puis, la troisième chance qu'on a, ça en fait beaucoup, c'est que l'impressionnisme, ce n'est pas seulement une vieille histoire d'un mouvement artistique qui est né il y a bientôt 150 ans, c'est que c'est aussi une offre touristique et culturelle qui est encore très riche aujourd'hui sur nos territoires. Vous avez de la Normandie à l'Île-de-France une centaine d'offres touristiques et culturelles, dont une cinquantaine de sites de visite, comme des musées ou des maisons d'artistes. Et on a encore une chance, c'est que la plus grande collection de toiles impressionnistes au monde se trouve à Paris, au musée d'Orsay, au musée Marmottan-Monet et au musée de l'Orangerie. Donc ça en fait beaucoup des atouts, et l'impressionnisme, c'est pas que des tableaux, c'est aussi des paysages, encore pour la plupart préservés, et qu'on peut découvrir aujourd'hui. Ça représentait en 2022 près de 6 millions de visiteurs sur l'ensemble de ces sites entre la Normandie et l'Île-de-France, donc c'est loin d'être négligeable. Alors, je vais passer très rapidement, parce que je sais que mon temps est timé. Donc, c'est ce constat d'une offre exclusive et non délocalisable qui a poussé les régions Normandie et Île-de-France à signer en 2014 un contrat de destination avec l'État. On a une cinquantaine de signataires autour de l'État, des deux régions, des deux CRT, ex-CRT nous concernant puisqu'on est devenu Choose Paris Région, et des acteurs touristiques et culturels majeurs parmi lesquels les plus prestigieux comme le musée d'Orsay et la maison de Monet à Giverny. Et du coup, l'objectif de ce contrat de destination, qui est d'ailleurs une thématique prioritaire de l'ancien schéma régional de développement du tourisme et des loisirs francilien et également du nouveau schéma 2022-2028,
L'objectif de ce contrat, c'est de faire de ce territoire qui est berceau du mouvement impressionniste une destination culturelle et une marque touristique phare pour l'attractivité de la France. Et comment on s'y prend ? Ben, tout simplement en fédérant des acteurs publics, privés, du tourisme, de la culture, autour d'un même objectif et en s'affranchissant, c'est très important, des frontières administratives. Puisque cet exemple que j'aime beaucoup donner aussi, c'est que vous pouvez avoir un Japonais qui va visiter le musée d'Orsay et qui, dans la même journée, ira voir la maison de Monet à Giverny. Ça a peu d'importance pour lui de savoir qu'il était à Paris, en Île-de-France, et qu'ensuite il est parti en Normandie. Le but, c'est qu'il comprenne qu'il a fait un voyage sur une destination avec une thématique, c'est la destination impressionniste. Voilà. Et on a plusieurs leviers d'action pour atteindre notre ambition. On anime un collectif d'acteurs qui va bien au-delà des 50 signataires que j'ai évoqués juste avant, autour d'une stratégie touristique partagée et avec des outils marketing communs. Aujourd'hui, je n'ai pas le temps du tout de rentrer dans la question de la stratégie touristique partagée, parce qu'on travaille ce dossier déjà depuis 10 ans, et que je vais plutôt me concentrer sur les 150 ans de l'impressionnisme. Mais juste pour que vous ayez en tête une idée de ce qu'on a fait depuis 10 ans, c'est qu'on a développé, on a évidemment un plan d'action, une stratégie, et on a développé tout un tas d'actions sur différents axes qui à la fois permettent de garantir le sérieux des contenus, puisqu'on est quand même sur un sujet qui touche à l'histoire de l'art, qui permet aussi de développer des offres, d'améliorer la qualité de l'accueil en proposant des formations spécifiques pour les professionnels du tourisme et de la culture sur ce sujet impressionniste. Et on a, le plus visible, développé tout un tas d'outils marketing communs. Je vous présente notamment la marque Voyage Impressionniste. Donc, vous le voyez, c'est une étiquette de bagage. Je pense que l'image se passe de commentaires. Elle invite le visiteur à partir sur la trace des peintres impressionnistes en Normandie et en Île-de-France. Et le positionnement de cette marque, c'est de revendiquer le fait qu'on est l'unique destination au monde où vous pouvez à la fois voir des tableaux impressionnistes mondialement connus dans des musées d'exception, mais aussi, quelque part, passer de la toile à la sensation, sortir des musées et aller sur le territoire, contempler les paysages qui ont inspiré les peintres et vivre les instants de bonheur qu'ils ont immortalisés dans leurs tableaux. Je vous ai mis également quelques petits visuels de communication pour que vous voyez le positionnement de cette marque où on invite le visiteur à découvrir notamment l'Île-de-France dans un décor digne d'un tableau impressionniste. On a aussi, et je vais devoir boire de l'eau, désolée, mais je suis assoiffée. Voilà. On a un site internet. Le site internet, pourquoi ? Parce que quand vous avez deux régions qui travaillent ensemble, vous renvoyez vers quel site quand vous faites une campagne de communication ? Donc il nous fallait vraiment une page d'atterrissage. C'est ce site que je vous invite à aller découvrir, voyageimpressionniste.com, qui existe en français, en anglais, et qui présente l'intégralité de l'offre impressionniste de la Normandie à l'Île-de-France, avec toute une carto. Et ce site internet, au-delà d'être la page d'atterrissage pour toutes nos campagnes marketing, il nous permet également de séduire le visiteur à toutes les phases de son parcours client. Une des très belles réussites du contrat de destination, c'est la création de réseaux sociaux dédiés. Et là, on n'en est pas peu fiers. On a donc un compte Facebook dédié au marché français, un compte Facebook dédié au marché US et un compte Instagram international. Et on a désormais plus de 140 000 fans sur ces comptes avec des taux d'engagement qui sont très élevés. Le taux d'engagement, ça veut dire la part d'interaction entre nos publications et nos fans, et ce taux d'engagement est largement au-dessus de la moyenne pour le monde du tourisme, ce qui montre qu'on a réussi à constituer une communauté qui est très en affinité avec notre sujet et auprès de laquelle on va pouvoir pousser des offres impressionnistes, les invitant à consommer, entre guillemets, le territoire. Et on a désormais une audience moyenne, on publie 2 à 3 posts par semaine, on touche 1 million de personnes en moyenne par mois avec nos publications. Voilà, donc j'entre sur le cœur du sujet, les 150 ans de l'impressionnisme en 2024.
Alors, qu'est-ce qui se passe en 2024 et pourquoi on raconte que c'est les 150 ans de l'impressionnisme? Alors, je vais prendre 30 secondes pour vous raconter cette anecdote et je suis sûre que pour ceux qui ne la connaissent pas, vous allez briller dans vos prochains dîners mondains. Donc, 2024, c'est parce qu'il y a 150 ans a eu lieu la première exposition impressionniste le 15 avril 1874 à Paris, dans l'atelier de Nadar. Donc, il faut vous figurer que Monet, Renoir, qu'on connaît tous aujourd'hui, ont une petite trentaine d'années, ils ne sont pas connus et ils ont du mal à faire bouillir la marmite, au sens vraiment propre, comme figuré. Et du coup, ils peignent évidemment depuis plusieurs années. On ne peut pas dire que l'impressionnisme est né en 1874. Cette façon de peindre était déjà née avant, les années qui ont précédé. Mais en fait, ces peintres étaient refusés dans le salon officiel. À l'époque, si vous étiez un artiste et que vous vouliez être connu et reconnu, vous n'aviez pas d'autre choix. Il fallait présenter vos œuvres à un salon officiel. Et si vous n'étiez pas accepté, personne ne pouvait voir vos créations. Donc, les peintres impressionnistes, qui étaient complètement à contre-courant de la peinture de l'époque, ont été refusés de ce salon et ont donc décidé de se réunir pour créer un salon indépendant. Et c'est ce qui a donné lieu à la première exposition, qui ne s'appelait pas exposition impressionniste, mais il se trouve que le jour de l'inauguration de cette exposition, un critique, qui ne se doutait pas qu'on parlerait de lui encore aujourd'hui, a voulu se moquer d'une toile de Monet qui s'appelait Impression Soleil Levant, et il a qualifié sa peinture en rigolant de peinture impressionniste. Et c'est ce qui a donné le nom à ce mouvement artistique, puisque ça a été repris par les peintres. C'est pour ça qu'on va dire que c'est les 150 ans de la naissance du mouvement impressionniste, puisque c'est la première fois que ce mot va être utilisé pour qualifier cette peinture. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Le gros de l'événementiel, va y avoir des événements d'ampleur, le gros de l'événementiel se passe à Paris, on a de la chance, au musée d'Orsay. Vous allez avoir une exposition historique, je dis bien historique parce que le musée d'Orsay présente cette exposition. Et vous avez peut-être vu passer l'information, puisque la conférence de presse a eu lieu la semaine dernière et que ça fait le tour de l'actualité. Le musée d'Orsay présente cette exposition comme une grande rétrospective qui va faire date et qui va accueillir plus de 600 000 visiteurs, a priori, ce qui est énorme pour une exposition. Donc là, vous avez une exposition classique qui va s'appeler « Paris 1874, inventer l'impressionnisme », avec des tableaux, pour la première fois depuis 150 ans, une grande partie des tableaux exposés en 1874 vont se retrouver tous ensemble. Mais là où l'événement va être vraiment exceptionnel, c'est que pour la première fois, une grande institution comme le musée d'Orsay va proposer une expérience à ses visiteurs. C'est-à-dire qu'à la fois, vous allez pouvoir aller voir l'exposition classique de tableaux, et quand vous allez sortir de cette exposition, vous êtes invité dans un espace de 700 mètres carrés à vous munir d'un casque de réalité virtuelle, et vous vous mettez dans la peau d'un Parisien de la fin du 19e siècle. Et vous êtes en immersion totale dans le Paris de la fin du 19e siècle. Vous arpentez les grands boulevards, vous passez devant l'Opéra Garnier qui est en construction à cette époque-là, vous passez boulevard des Capucines, vous entendez les fiacres qui passent autour de vous, vous avez l'éclairage des réverbères, et vous arrivez devant l'atelier de Nadar, vous rentrez dans cet atelier, vous prenez un des tout premiers ascenseurs parisiens, et vous rentrez dans l'exposition et vous la découvrez telle qu'elle a été exactement présentée, suite à un long travail de recherche, telle qu'elle a été présentée à l'époque. Et donc là, j'ai beaucoup de plaisir à vous dire que grâce à l'État et la région Île-de-France, Choose Paris Région est partenaire cofinanceur de cette expédition immersive au musée d'Orsay. Donc c'est un énorme retentissement pour nous et ça permet vraiment de travailler sur le rayonnement aussi de notre destination. Et le partenariat qu'on a avec le producteur de cette expédition immersive, c'est donc la co-construction du post-show. Quand vous sortez de ce parcours en immersion d'une heure, vous avez un post-show dans lequel on va pouvoir valoriser l'héritage des peintres impressionnistes sur les territoires aujourd'hui. Et là où ce partenariat est vraiment formidable, c'est que cette expédition immersive va circuler dans le monde entier sur les 5 continents pour à minima 5 ans. Donc on va potentiellement pouvoir délivrer un message de séduction et d'invitation à la découverte de notre territoire auprès de centaines de milliers, voire des millions de futurs visiteurs. Et cette exposition est couplée avec un documentaire dont nous sommes également cofinanceurs chez Choose Paris Région, documentaire où on co-construit l'épilogue
un épilogue qui nous permet là aussi de valoriser l'héritage des peintres. Ce documentaire va être diffusé en prime time sur Arte, va tourner dans le monde entier et va toucher potentiellement 35 millions de téléspectateurs. Donc là aussi, un grand retentissement. Côté Normandie, il y a tout le territoire normand qui va vibrer autour de la 4e édition du Festival Normandie Impressionniste, avec plus de 150 expositions et événements. Et j'annonce aujourd'hui, on en est très heureux, côté francilien, la région Île-de-France lance l'opération Les Papilles Impressionnistes, donc une opération qui valorise l'impressionnisme en lien avec la gastronomie. Ça aura lieu en juin 2024 et l'objectif, c'est de faire en sorte que des restaurateurs proposent des menus inspirés des carnets de recettes de Monet, qui était un fin gourmet. Voilà. Et on espère qu'un maximum de restaurateurs vont jouer le jeu en Île-de-France, mais également jusqu'en Normandie, pour pouvoir continuer d'accentuer ce lien entre nos deux territoires et l'héritage impressionniste qu'ils partagent. Donc, j'arrive bientôt à la fin, je t'inquiète pas, Lionel. En vrai, j'ai un peu triché, je m'étais chronométrée, ça ne tient pas en 10 minutes. Mais ça va faire 13 minutes. Enjeu et objectif, vous l'avez compris, c'est forcément quand il y a un événementiel comme ça, c'est une occasion unique pour nous de capitaliser sur cet événementiel et de faire rayonner encore plus la destination. On a une très belle ambition, ben, c'est de faire de cet événement culturel l'événement phare en complémentarité des JO. On parle d'autre chose, mais il y a aussi de la place pour que ce bel événement existe. Et puis du coup, ben, nous, on veut capitaliser sur la dynamique. On a fait le tour de nos territoires au mois d'octobre, fait en sorte que des projets émergent et charge à nous ensuite ben, de donner corps à tous ces projets via le storytelling, via nos outils de communication, via des campagnes de communication, donner la plus large visibilité possible à cet événementiel. Je vous ai mis là notre étiquette de bagage spéciale 150 ans, puisque tous nos outils de com vont être déclinés à cette occasion. Je vous dévoile en avant-première aussi notre tout nouveau visuel de séduction, se joindre à la fête. Je pense que voilà, il dit bien les choses. Et merci Bruno, j'y pense en même temps que toi. Je ne dois pas appuyer sur le bouton tout de suite, sinon la vidéo va se lancer au moment où je vais parler, et ça ne le ferait pas du tout. Je vous garde pour la fin le clou du spectacle, notre très beau film de promotion de la destination, qui dure 3 minutes, qui bien sûr existe dans une version aussi plus courte, mais là je vous fais la version intégrale pour le plaisir. En tout cas, j'espère que ça va vous faire plaisir. Et du coup, un film qui illustre beaucoup mieux que tout un tas de discours le positionnement de notre destination, cette invitation au voyage en passant d'étoiles au paysage, en vivant des instants de bonheur et en faisant tout un tas d'activités qui ont pu inspirer les peintres impressionnistes. Cette expérience est encore vivante aujourd'hui sur nos territoires. J'espère que ça vous donnera envie de vous joindre à la fête en 2024. Thank you.
Voilà, on parlait de beaux sites de tournage. Vous avez l'illustration. Il y a des très beaux lieux à découvrir, pas seulement qu'en Normandie, mais aussi en Île-de-France. Et du coup, le film se termine par une invitation à préserver la beauté des paysages qui ont inspiré les peintres impressionnistes. Voilà, je vous donne rendez-vous en 2024.